Et salut tout le monde, c'est Yap35, on se retrouve pour l'épisode 3 de Assassin's Creed Unity. Donc on va continuer de se balader dans Paris, on va découvrir. Là je suis allé devant un récit parisien, on va voir ce que c'est. Pour améliorer un peu mon stuff, on va pas faire trop de missions principales aujourd'hui. Voir s'il y a des trucs à faire, je sais pas, on va découvrir un peu les missions annexes. Donc là on va aller voir, il y a un récit parisien, il y a 750 francs à gagner, difficulté 1. Donc c'est parti. On les a volés. Je suis Madame Tussaud. J'excelle dans la fabrication de statues de cire et de masques mortuaires. J'ai promis à l'Assemblée de faire des masques des victimes célèbres de la guillotine. C'est macabre, mais c'était pour moi le seul moyen de sortir de prison. Et aujourd'hui, quelqu'un a volé les têtes qu'on m'avait remises. Pourriez-vous les retrouver? Parler aux aides, ok. Eh ben on va y aller. 34 mètres, ok. On doit sûrement parler à des personnes là, et après on va devoir faire peut-être tuer quelqu'un ou je sais pas. Pour récupérer, on va voir. Cité, une étoile. Bon, à savoir que j'ai toujours pas ma nouvelle carte graphique, je l'aurai sûrement pour l'épisode 4 ou 5, on verra. Ou 6 peut-être, ça dépend. Accepter et suivre. Ah d'accord, non merde, ça doit être un autre récit parisien ça je crois. Vous avez déjà une mission en cours, voulez-vous remplacer la mission active par celle-ci? Non merde, d'accord, je dois d'abord faire... Ah bah il y a plein de missions, c'est plutôt bueno. Attendez, il y a un shop là j'ai l'impression, non? C'est quoi le F? Ça doit être à l'étage. Voilà. Je crois que j'étais déjà venu ici, mais on peut rien acheter, on peut que acheter des consommables. Et j'ai déjà tout au max, donc ça me sert à rien. Et parler aux aides, je sais pas où c'est exactement. Ah si, voilà, on a... Non, c'est la mission principale, ça. Alors, je sais pas du tout où c'est. Ah non, ça doit être là-dedans, non, dans le cercle... Ça doit juste être dans le cercle vert, en fait, je suis bête. Voilà. On doit devoir parler à des personnes... qui sont par là, non? Voilà, j'ai compris. Selon la rumeur, l'un des soldats gardant la Sainte Chapelle voulait se procurer la tête d'Olympe de Gouges, car il l'aimait en secret. Le juge qui a condamné Hébert souhaitait apparemment conserver sa tête comme trophée. Sérieux? Il veut garder sa tête, il est condamné, puis il veut garder sa tête. Bon, du coup, j'ai parlé aux deux dames d'en haut. Elle, il veut quoi lui? C'est quoi ça? C'est le voleur, je suis sûr. C'est celui qui vient carotte. Il y a quelqu'un là. Une amie a découvert quelque chose qui pourrait vous sembler important. Elle m'a envoyé cette lettre. Objet mission avec qui? Lettre. Lettre. Chère madame, j'ai appris qu'un homme politique, bouffi d'orgueil par son rôle dans le renversement des Girondins, s'est procuré la tête de Jacques Pierrot Brissot, qui vous a été récemment dérobé. Il travaille près de la conciergerie, amitié dévouée. Mouah. Eh ben, on va y aller. On ne sait pas où c'est. Et j'avoue que... Je vais fermer. D'accord. Je galère encore un peu avec la carte et tout... Je me suis pas encore très bien fait à toutes les nouveautés de Assassin's Creed Unity, voir la carte et tout, enfin gérer les déplacements et tout. Et ça va venir, hein, je pense, au bout du 5-10 épisodes, ça sera là et je gérerai plutôt ça bien. Ok, là ça va être le gros bordel. On va devoir rentrer. C'est là où il y avait la fête, non? Où je me suis fait recaler plein de fois, je crois. Je crois. On va pouvoir monter par là, je pense. Ok, je vais me faire griller. Je me suis fait griller. Oh merde. Oh là 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 là. Ouah, toute la vie que j'ai perdu, non? Sérieux, ça? Ouh là 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 là. Il fout mal, hein? Ouais, je vais sûrement die. F. Merde, oh merde. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Comment on prend les consommables? Putain, on peut pas prendre les consommables. F. Merde. Oh merde.
suis en train de niquer tous mes trucs. Quel noob je suis, putain. J'arrive même pas à choper. Pour vous dire, hein, ça fait quelques jours que j'ai pu jouer. Et je sais plus prendre les remèdes. Voilà, on voit que ça clignote. Wouh. Il doit y avoir une touche, je vais tester un peu toutes les touches. Et ça c'est... Ah bah honnêtement je sais même pas comment boire un remède. On va juste regarder dans les touches parce que ça va être embêtant. Option personnaliser commande. Avancer, sprinter, courir, interagir. Lancer la bombe F, regard libre, emploi du temps. Emploi le remède A. Emploi 3. Oh, il y a des compétences et tout, sérieux. Ok. Ah, voilà. Ok, faut rester appuyé sur A, d'accord, j'ai compris, c'est bon. Je serai moins con ce soir. C'est vrai que j'ai galéré. Bon, du coup, on va revenir, on va rentrer par derrière, ce sera sûrement plus prudent. Entrer dans une zone non autorisée. Bon, on va essayer de pas se faire éjecter comme la dernière fois. Hein. Et de pas tomber bêtement. Est-ce qu'il y a du monde dans la cour? Non, ça va, il n'y a pas trop de monde. Hop, ah, il saute. Je sais que tu peux le faire, Arnaud. Hop, récupérer les têtes. Ah, d'accord. Faut récupérer les trois têtes. Il y avait déjà une tête ici, c'est dans les carrés verts, donc on va aller voir. Hein. On pourrait tellement tenter un truc de ouf là. Ouah! Oh putain, c'est un taré mon gars. On va essayer de choper la tête qui doit être par là sûrement. Voilà! Mauvais sac. Non, sérieux, ça. Non, mais c'est tellement tendu. Ah, là-bas, il y a un truc. Devenez anonyme pour récupérer ça. Non, je vais me faire défoncer. Oh là là. Moi, je vais tous te les niquer. Aïe. Une étoile. Ça va être simple. Oh, toute ma vie. Mais c'est abusé, on peut remonter toute la vie d'un coup. Mais non, mais genre ils sont à travers les grillages. Non, non, non. Oh, toi. On va se cacher là. Hein. Ils peuvent pas rentrer, ils sont bien cons dehors. Ça sert à quoi de mettre des gardes dehors s'ils peuvent pas rentrer? Est-ce que ça va se calmer ou ils vont... Non, merde, ils vont pas. Je suis cramé. Ah non. Ok, nickel, je suis en jaune. Les gardes repartent. Putain, j'ai foutu un peu le merdier. Oh là là, tous les morts qu'il y a eu. Oh non. Je me suis refait refaire. Oh, dur. Mais c'est quoi leur fusil de ouf? Comment je me suis fait cramer? Je marchais tranquillement, j'ai ouvert un sac, c'est le mauvais, comme par hasard, je me fais tuer. Putain, mais c'est dur en fait, l'émission. En fait, l'émission optionnelle, c'est assez long et on gagne 750 de thunes. Enfin, je sais pas, c'est beaucoup pour le moment, mais... C'est bien dur à faire, je trouve. Je trouve là, c'est beaucoup plus dur que... Ou c'est moi qui est mauvais pour le moment, mais... J'imagine pas les missions où c'est 5 étoiles en vrai. Parce que ça va être vraiment hard, hein, mais... Quand je vous dis vraiment, ça va être vraiment, vraiment hard. Puissance 10. Interaction en cas de conflit à proximité. Mais pourquoi je me fais cramer directement? Il faut que... Aïe, oh là là, je vais me faire défoncer. Oh là là. Dur. Hop, lui, on va le tuer. Merde, oh putain, ils font mal. Wow, je suis en train de tous leur mettre cher. Non, non, non. Oh non, il va. Ils sont 5, ils sont sérieux. Allez, remède, c'est vraiment cheaté, je trouve, hein, par contre.
What, ils sont combien? Hop, lui il est mort. Ah, dur, je prends encore une balle. Ils sont combien? C'est bien. Je trouve que les combats sont beaucoup plus longs et plus durs qu'avant. C'est qu'on a un mauvais stuff, mais en tout cas, les combats sont vraiment hard au début. On va se cacher, attendre que ça se calme un petit peu. On va aller fouiller histoire. Est-ce qu'on peut retrouver des remèdes? Ça serait bien de trouver des remèdes sur eux. Deux munitions, ça va être des bombes fumigènes. 5 francs, ouais, pas super. Tablier, 5 francs, d'accord. Et ce monsieur va me donner savon, 2 francs. Putain, mais je vais être riche avec. En trouvant un savon qui vaut 2 francs. Je crois qu'il y a tout le monde qui me redoute maintenant ici. Voilà un petit coffre, on va voir. Mauvais sac. Non, sérieux? Là, il y a un sac ici. Mais c'est chaud en vrai. Où ils sont ces sacs? Ah voilà, je crois qu'on peut l'ouvrir, ça y est. Ah mais non, mais... Ah voilà. Je trouve la discrétion c'est vraiment rare, non? J'ai l'impression d'être discret. Ok, on a récupéré la tête. On va pouvoir se barrer tranquillement. On a foutu bien la merde pour récupérer une pauvre tête. On sera mort une fois, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, on a récupéré une tête. On va récupérer les deux autres têtes. Et normalement, ça sera bon. La mission sera finie. On aura gagné 750 francs. J'aimerais bien savoir où on peut se stuffer. Ce serait vraiment cool. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. J'ai cru que j'allais encore mourir, j'avais fait le con. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis déjà cramé. Ok. Alors, on va chercher s'il n'y a pas un sac ou deux par là. Peut-être en avoir un derrière, on est dans la zone verte. Il y a une cloche d'alerte tout près, une fois à portée, appuyez sur E pour la saboter, d'accord. Alors on va essayer d'être discret, on va voir ce qui nous arrive, si on va tranquillement, voilà. Ok, on est cramé. On ne peut pas être discret ici. Merde, oh là là là. Oh, j'ai mal. On va prendre un petit remède. C'est vraiment hard, hein, je trouve. On entre dans la zone et direct, il y a un garde, on se fait niquer. Bon, heureusement qu'ils sont que deux. Hein. Prends, faut que je le vole. Il a l'air d'avoir un gros truc, lui. Oh, il avait du tabac, ça se voyait à sa tête, là, de fumeur. Là. On a récupéré un remède, bon, tant mieux. Oh merde. Mais quel bâtard. Et où tout ça arrive d'un coup? What? C'est quoi ça? Bon, on dit que le jeu est encore bugué, hein. Bah voyez, vous avez la preuve en image. Youhou. Voilà, c'est le bug, c'est très le bug, hein. Du coup ils ont offert le Season Pass à tout le monde gratuitement, et ceux qui l'avaient acheté peuvent choisir un jeu entre Far Cry, The Crew, enfin, ils ont le choix entre plein de petits jeux sympathiques. Oh oui. Mais what? On peut même pas l'assassiner. Hop, on va péter cette merde. Oh non, j'ai utilisé un remède pour rien. Saboter. Yep, là. Une cloche en moins. Du coup, on a qu'une tête toujours. Pourtant, il n'y a plus la zone verte. Je trouve ça bizarre. On a fait bugger le jeu. J'espère pas quand même. Voilà, on doit chercher un petit sac déjà. J'espère que la quête n'est pas buggée quand même. Ça me ferait chier. Séquence 2, mémoire 2. Ouais, bah là c'est la quête principale du coup.
Merde, putain, j'ai essayé de le voler. Hop, voilà. Lui, il est mort. Les deux aides, elles sont désormais dans les coffres à la conciergerie. J'ai la clé qui ouvre les deux. Ok. D'accord, putain, mais en fait, ça devient compliqué. Genre, tu récupères une tête, les deux autres sont... honnêtement, le scénario, je trouve les quêtes, elles sont super bien faites, mais c'est dommage qu'il y ait des bugs et tout. Après, je suis... Voilà, quoi. On va essayer de trouver où c'est, cette merde. Petit coup de vision d'aigle pour voir. Ça, ça nous permet de monter en haut. Je pense pas que ça soit en haut. Ou du moins, peut-être. S'il y a l'air d'avoir un truc là. Peut-être ouais, récupérer, d'accord. Bon, les deux têtes doivent être ici alors, du coup. On va monter. On aurait pu monter rapidement, mais je pense que c'est plus par ce côté-là. Non, c'est encore... Me dites pas qu'il n'y a pas d'escalier pour monter. C'est quoi cette pièce? On entre par les fenêtres, on peut pas ressortir ou... Ah non, c'est par là, on peut redescendre, d'accord. J'ai compris. J'allais me dire, mais what the fuck, quoi. C'est juste que la porte est fermée. Là, ils sont malins, comme ça, on peut pas aller dans tout le bâtiment, ils ont pas besoin de faire tout le bâtiment. C'est peut-être ici. Mais non, je veux rentrer. Mais non, mais moi je veux... What, il y a un autre coffre bleu. Mais ça, on peut pas les ouvrir, vous m'avez dit. Les jeux et des missions nomades. Ah oui, mais non, ça c'est sur portable, mais j'ai toujours pas essayé parce que ça... Il y en a plein qui... L'application elle est mal notée, donc je sais pas si vraiment ça va marcher ou me faire recommencer mon jeu. Ou créer je ne sais pas quoi comme bug. Alors... je suis en train de galérer et je trouve pas l'entrée du truc. J'espère que c'est ici. Je suis en train de faire toutes les maisons, quoi. Mais non, dedans. Voilà. Voilà, je crois que c'est... On a trouvé le bon truc. On va revoir nos deux têtes, peut-être. Coffre déverrouillé. Tête d'Olympe le... Oh non, on a récupéré plus qu'une, sérieux. Ah, le gagnant, il m'a même pas vu. Entre autres éléments, cette liste comprend coffre appartenant à Monsieur le Maître, député de Paris, coffre appartenant au capitaine de l'autre. D'accord, on en a avec deux têtes, du coup. Enfin, voilà, c'est pas... Et là, d'accord. Et on doit avoir la deuxième tête, ici. Coffre déverrouillé. Trois têtes sur trois têtes, voilà. Et on va devoir sûrement ramener les têtes, si j'ai bien compris, voilà. Parler à Madame Tussaud. Et voilà, on va y aller, c'est à 100 combien de mètres? 133 mètres. On y va de suite. Wow, il y a Makassi. Il est fou ce Arnaud, il est fou. Ouais, je sais pas comment il fait pour rattraper, parce qu'il n'y avait pas grand chose hein, pour se rattraper honnêtement. Est-ce qu'on tente? Ah non, il veut pas. Quand il veut pas, vaut mieux pas tenter. Hop, voilà. J'adore vraiment, c'est le système de descente rapide. C'est beaucoup plus pratique qu'avant. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Hop, alors, on va passer par là. Je pense on va juste arriver. Il a l'air d'avoir un truc en haut. Une cocarde. What the fuck? On est juste dessus. Pourtant, il n'y a rien en dessous. J'entends le petit tintillement. Non, c'est le petit tintillement du coffre. Qu'on ne doit pas pouvoir ouvrir. Compétence crochetage pour ouvrir. Mais oui. Mais oui, c'est clair.
Oh non, oh non, je me suis fait cramer. On va vite se ranger là-dedans, voilà. Mais il n'y a pas de conflit, vous j'aimerais me retrouver, je suis entré dans une maison au pif. Voilà. Vous les avez. Je vais oui, je les ai. Mes masques mortuaires. Oh, dans quel monde vivons-nous? Donne-moi la thune, ça y est, mille. Continuez. Eh ben, c'est nickel, on a eu ça. Alors, j'aurais bien envie de débloquer. Il n'y a pas un autre ici parisien. Meurtre à résoudre. Ah, tiens, on va tester un meurtre à résoudre pour voir. Hop. C'est à 20 mètres. Ok, j'ai placé juste ça à côté. Je suis juste mauvais. Interagir. Go, c'est parti. Troisième fois en moins d'un mois. Faut bien manger et vous allez me nourrir. Alors ça me va. La ferme. Qu'est-ce que vous voulez? Les crimes se multiplient. Je peux aider? J'ai les choses bien en main. Je n'ai pas besoin de votre aide. Ha! Et tous ces meurtres qui restent sans coupable? Je t'ai dit de la fermer, Vidocq. Réfléchissez. À lui le travail, à vous les lauriers. Écoutez bien, si vous résolvez un meurtre, vous aurez droit à une arme du coffre. En attendant, j'ai des choses importantes à faire. Le gars trop motivé. Je connais bien les rues. Je peux t'aider. Pourquoi le ferais-tu? Parce qu'il ne viendrait jamais à l'idée de cet infâme crétin de ministre de la police de lever ne serait-ce que le petit doigt pour donner à un gredin comme moi l'espoir qu'un jour, cette ville ne soit plus la fosse à purin qu'elle est aujourd'hui. Et puis parce que je m'ennuie comme un rat mort. Ah, pour l'amour de Dieu, Vidocq, tais-toi. Derlier. Les moines m'ont toujours fait froid dans le dos. Rester enfermé dans une grande bâtisse, ça abîme son âme. À ta place, j'irai voir le monastère qui est sur cette île. Entrée de dossier débloqué. Ok, bon, c'est parti, on va y aller. Alors, et lui, je suppose qu'il vend des remèdes. En fait, ça c'est que pour les consommables, en fait, je pense. Ouais, c'est que pour les consommables. J'aimerais bien trouver un shop où on peut améliorer son stuff. Je sais pas si on peut encore ou c'est qu'à partir genre des séquences 3 ou 4 qu'on va débloquer un PNJ qui vend ça, je sais pas. J'ai envie de dire, on verra bien comment ça se passe. Hop, on va passer par là, par là. Je crois. C'est à quoi cet escalier? Le truc, ça mène à un mur rempli. Inutile. On va se balader sur les toits quand même, c'est plus joli. Waouh. C'est un ouf Arnaud, c'est un ouf. Bon, on va pas escalader l'église, on va mettre trop de temps, mais surtout que je crois qu'on l'a déjà fait. Enfin, il y aura des cocardes à ramasser, mais on fera ça. On a le temps, on va faire 50 épisodes s'il faudra, mais j'ai envie de sécher ce jeu. Il y a un peu des cocardes partout. On les prendra quand on passera par là, quand on sera sur les toits. Du coup, faut rentrer dans le bâtiment. On va voir comment rentrer dans le bâtiment. Examiner le meurtre à résoudre dans les menus. Ah d'accord, on doit... Ça se passe pas dans le... J'ai l'impression que ça se passe dans le menu, ouais. On va voir vite fait déjà. Y a un meurtre, y a quelqu'un qui est mort. Afficher les indices. Guide d'enquête. Si tu veux résoudre des meurtres, tu ne peux pas envoyer en prison la première personne suspectée que tu rencontres. Que tu rencontreras. Enfin, si. Mais tu arrêtes presque à chaque fois un innocent. Il va falloir être sérieux et mettre au point un système permettant de déterminer
Qui est le coupable? Pourquoi et comment je vais te faciliter les choses en décrivant les points essentiels? Lilay va enquêter et met la main sur le meurtrier. Ok. Ça a l'air d'être vraiment hard. What the fuck? Supervise le monastère. Examiner. Frère Jean, un moine étranglé à l'aide d'un rosaire, il semble être tombé sur de son siège tandis qu'il écrivait à sa table de travail. D'accord. Appuyez sur lui pour... Ah d'accord. Un vieux moine gisant mort dans son lit, il a le teint cireux et grisâtre. Quoi, oh, ça a l'air d'être super hard en vrai. Ah. D'accord, on va voir tous les indices là. En fait, je pense qu'il faut d'abord récupérer les indices, puis après... Ça a l'air d'être tellement hard, je vais jamais y arriver en vrai. Va falloir. Seigneur, les frères Stanislas, Bernard, et même le respectif frère Benoît. Ensuite, frère Jean. Ok, donc on a l'air d'avoir... Dieu soit loué. Hop, on récupère tous les... On va d'abord, dans le premier temps, récupérer tous les indices. C'est quoi ça? Serait-il possible que le meurtrier soit l'un d'eux? Non, c'est ridicule. Non, c'est ridicule. Bah si, je pense. Que d'émotion. Que d'émotion, bah oui. La mort des frères. Jean leur a servi du vin et ils se sont aussitôt sentis très là. Ils sont allés se coucher. Et... Il est impossible de les réveiller. Oh, mais la zone, elle est grande, hein, sérieusement. Elle est énorme la zone. J'ai vu un moine là-bas. Il allumait un feu. Un feu dans la vigne. Je lui ai crié de décamper et il a pris ses jambes à son cou. Oh là là, mais ça a l'air vraiment hard les gars. En plus, si c'est qu'une étoile là, si j'arrive pas. Ah d'accord, on peut accuser du monde. On va aller voir vite fait quand même un peu dans toute la zone s'ils nous disent. Si, regardez, on peut encore voir des indices. Je m'inquiète beaucoup pour frère Honoré. Frère Jean et lui étaient très proches. Mais en fait, la faut volonté de Dieu échappe au saint. On interroge d'abord des gens, on regarde s'il n'y a pas. Attends, mais on peut accuser tout le monde, sérieux. Et nous en distinguons quelques bribes chez les trois. On peut accuser 3 personnes, sérieux. Une chance sur 3, les gars. Une chance sur 3. On va regarder s'il n'y a pas un indice dans le coin quand même là, ce serait bête de passer à côté. Je pense qu'on a tous les indices les gars. On va voir. Ah lui je crois pas qu'on l'a interrogé. Ah non, c'est derrière le mur. Alors, on va regarder vite fait les indices. Si je retrouve. Indice 12 sur 13. Ah d'accord, on a les... On a le nombre d'indices qui est marqué. Ça, c'est bien. Mais bon, faut-il trouver le dernier indice qui est... Je trouve... Quand même, la zone est grande, je trouve, pour un... Pour un simple meurtre. Enfin, aussi une enquête, vous me direz, mais... En plus, il y a des indices qui sont super bien cachés. Je sais pas si vous avez vu... Comme la feuille à côté du feu, là, fallait la trouver, hein. Est-ce que ça fait eux parler? Je crois qu'on a pas mal d'indices. Avec 12 indices, je pense qu'on pourrait répondre. Est-ce que l'être dur, ça allait te mettre les 12 indices... Les 12 indices en commun, quoi. Enfin, faire trouver un lien logique, quoi, entre les 12 indices. Je crois que, ouais, le dernier indice va être sûrement par là, non? Même pas. Oh, j'aurais pensé. Ça a pu planquer un petit truc. Un petit truc comme ça. Mettre la vision d'aigle là. Par là-bas, il n'y a plus rien. Il y a l'air d'a pu avoir grand chose. Ah non, ça va être en...
Ça va être en jaune les indices qui me manquent. Parce que là, regardez, quand on fait la vision d'aigle, tout c'est. Voilà, il y a un gars là-bas, c'est un gars en haut en fait. Que j'ai pas dû interroger, il est. Ouais, voilà, c'est lui que j'ai pas dû interroger, c'est le dernier indice. Et voilà. J'ai tous mes indices. On accède à la base de données. Voilà, tout ça en fait des indices. Corps. Fragile, moine étranglé à l'aide d'un cerf. Un vieux moine gisant mort dans son lit, il atteint le cirrus. Ah d'accord, en fait il y a trois vieux moines qui servent à rien. Frère Bénédicte a indiqué que les trois moines morts dans leur lit étaient les plus anciens de l'ordre. Ils sont tombés malades après avoir bu du vin servi par frère Jean et être allés se coucher. Lorsqu'il s'est avéré impossible de les réveiller, frère Bénédicte est allé chercher un médecin. À son retour, il a trouvé frère Jean étranglé à sa table de travail. Donc ils sont tombés malades après avoir bu le vin servi par frère Jean. Donc frère Jean, il n'est pas vraiment clean, on va dire. Pense que notre ok. Frère Joseph déclare que les frères Honoré et frère Jean étaient amis, se dit inquiet de l'effet possible des meurtres sur l'état mental de frère Honoré. Indiquer la mort des frères Benoît, c'est ok. Trois autres. Jean, il est mort. Trois autres sont toujours en vie, refusent de croire que l'un d'eux a pu tuer les autres. Déclaration du vigneron. A vu un frère allumer un feu dans le vignoble, a crié et vu le frère en question s'enfuir et incapable de lui en dire. Il y a trop de frères là-dedans, c'est quoi cette enquête de merde? Feuille de papier froissée. Serré dans le poing du mort, un morceau de papier froissé provenant apparemment d'un journal. Il écrit Tetata coupable. Je les ai empoisonnés, il disait que Dieu voulait que je fasse à cause. Ah mais c'est peut-être le vigneron qui a empoisonné en fait, parce que j'ai Jean qui a servi et le vigneron qui a empoisonné. Il disait que Dieu voulait que je fasse à cause de la prédilection, mais je suis incoupable. Je suis un meurtrier, je dois confesser mon crime sur le champ avant que le texte n'y ait. Okay. Journal en papier brûlé. Empoisonner le tonneau du vin, mais c'est moi qui l'ai servi. S'il savait que... Oh putain, j'arrive plus à lire. S'il savait que je suis sur le point de me confesser, il n'hésitait pas à me tuer. Il n'hésiterait pas à me tuer. Oh maudit soit le jour où Honoré a pris connaissance des prédictions de Nostradamus. Il est fou et il m'a entraîné dans sa folie, mais je le suis. On peut remarquer un grand livre rempli de quatrains. Ok, ça c'est le truc inutile. Guide d'enquête. Monastère pour été. Également au fond du coffre, une page arrachée d'un livre des sept rameaux à trois. Les plus aînés sont surpris par Morph. Jury en dormant sur mort. Il y a des trucs, honnêtement, ça a l'air d'être super compliqué de résoudre des énigmes. Hein. Bon, ça m'a pas l'air d'être lui, il a l'air d'être gentil. Et je pense que c'est le vigneron, non? Ou c'est Jean qui a servi le vin qui a dû tuer. Bon, je pense que c'est une enquête facile. Hein, c'est. Non, c'est pas le vigneron. On peut pas l'accuser de toute façon. On a une chance sur 4. Mais je dirais, je parierais sur Jean, monsieur Jean là, qui a servi le vin. Accusé, ok. Ça va, on va aller accuser. Au pire, c'est pas grave, je sais pas ce que ça va être se tromper. Lui, c'est qui, lui? Frère Bénédicte, un jeune moine. Donc, c'est pas un jeune moine qui va tuer les vieux, quand même. Lui, ça va être frère Jean, non? Je m'inquiète beaucoup pour frère Honoré. Frère Jean et lui étaient très... C'est frère Joseph. Mais non, mais frère Jean, c'est celui qui est mort, je suis con, non? Frère Honoré. Un jeune moine. Ouais, j'ai rien compris à l'histoire, en fait. Je suis mauvais. C'est frère Jean qui est mort, en fait. Oh là là, et je crois que je suis mauvais. Frère Joseph. Ouais, mais c'est vraiment rare dans les meurtres. Je crois que, honnêtement, je vais pas en réussir beaucoup. Hein. Meurtre prédit, afficher les indices. Je vais juste vite faire un jeune moine étranglé à l'aide. Oui, c'est frère Jean qui est étranglé, mais je suis con. Alors, un vieux moine d'état, on s'en fout. Frère Bénédicte a indiqué que les trois moines morts dans leur lit. Ils sont tombés malades après avoir vu du bain servi par frère Jean. Et allez se coucher. Lorsqu'il s'est avéré, allez chercher. Ah, c'est peut-être frère Bénédicte qui allait chercher, non? Frère. Ah non, c'est pendant qu'il était parti, il a trouvé du vin. Honoré et frère Jean étaient amis. Et il se dit inquiet de l'effet possible de meurtre. Indiquer sa mort des frères. Oh là là. Refuse de croire que l'un d'eux est pu tuer. A vu un frère allumer un feu dans le vignoble, a crié et a vu le frère en question
feuille de papier froissée. Il est écrit coupable. Il est écrit coupable. Je les ai empoisonnés. Il disait que Dieu voulait que je fasse. Le tonneau de vin, mais c'est moi qui l'ai servi, s'il le savait. Prédiction. Il est fou. Il m'a entraîné dans sa folie. Non, c'est pas frère Honoré. Hop, faut peut-être faire par élimination, non? Les aînés se font surpris par la mort. Donc si c'est... Oh là là, honnêtement, ça demande de la réflexion. Il me faudrait une feuille de papier pour enquêter. Hein. C'est vraiment hard, hein, c'est... What the fuck? J'espère qu'il n'y en a pas énormément à en faire, parce que là, je vais en chier, mais un truc de malade, quoi. En plus, je suis sûr, le truc, c'est tout con dans les... Vous êtes en train de regarder la vidéo, vous dites, putain, mais il est con, c'est... Il l'a lu et puis il a pas tilté. Que frère Honoré et frère Jean étaient tes amis. Mais ouais, mais je. C'est désolé, mais je ne trouve pas. Je vais bien réussir. Hein. Moi, je dis. Bon, on va voir au pire, ça fait quoi si on se trompe. Moi, je dis, c'est pas frère Honoré parce qu'il a l'air gentil. On va dire frère Joseph, c'est peut-être lui. Je m'inquiète beaucoup pour frère Honoré. Frère Jean et lui étaient très proches. Je crains que le meurtre de Jean ne le fasse sombrer dans la folie. Ouais, c'est pas Honoré, c'est son pote, je pense pas. Le meurtre est un péché mortel. Nous sommes tous pécheurs. Mais je suis incapable de tuer. Vous avez accusé un suspect à tort. Je suis mauvais. Ça fait quoi? Non. Lui, c'est qui? Mais c'est pas frère Honoré quand même. La volonté de Dieu échappe au simple. Moi je l'accuse. Mais ils disent qu'ils sont potes donc. Et prions, il était écrit que les conspirateurs mourraient dans leur sommeil. Jean a été victime d'un fratricide. Est-ce un meurtre que d'accomplir une prophétie? Ah, c'était lui? Moi j'ai pas dû capter grand chose. Et je sais pas ce que ça fait quand on se trompe, si vous savez. Je pense qu'on a la moitié de la récompense si on se trompe une fois, un quart si on se trompe trois fois, c'est ça. Faut repasser un peu de temps. Bref, je sais pas. J'ai bien envie de voir. La prophétie se réalise. Je suis la preuve vivante. Ah bah nickel alors. Si on peut se tromper autant de fois qu'on veut, c'est bien. Mais enfin bon, après, je sais pas. Ça serait dommage que si on rate la mission, on peut plus avoir accès à la récompense, quoi. Et juste avoir moins de thunes ou... Pourquoi pas, faut voir. À trop lire les écritures, il a cru que tout était écrit. 9 fois sur 10, c'est le fou qui est coupable. Servez-vous. Mais on va pouvoir se servir dans le coffre. Ah non, 50 francs. Coupable identifié avec une accusation à tort, oui. Oui d'accord, c'est bien ce que je pensais qu'on allait avoir, c'est... En fait on a eu moins de thunes, on a eu 50 francs peut-être au lieu de 100 ou 200. Je sais pas. Donc continue voir dans le suite de progression, ok, donc on va continuer. Donc voilà, et on a notre... On a dû avoir combien d'armes, non? On a récupéré un maillet, je sais pas à quoi ça sert. Je sais même pas comment... Attends, équipement, suite de progression. Utilisez des boosts, vous aidera à mener des missions. On peut booster des trucs. Ah oui, mais ça coûte des trucs. Ouais, on va garder. On va garder, on va pas faire le con. J'ai bien envie de voir. Ici, ils vendent toujours que des remèdes, lui. Consommable, ouais. Oula, il y a beaucoup de trucs qui ont paru. C'est quoi ça? On va aller voir vite fait ce que c'est ça. Et il y a des boucliers qui ont apparu maintenant aussi. C'est peut-être à des boucliers. On va aller vite fait jeter un coup d'œil à ça. Voir si c'est ça que je voulais. Oh non merde, je vais me faire cramer. Si c'est ça que je cherchais depuis le début. On va pouvoir peut-être avoir un meilleur équipement et puis on va se laisser là-dessus. On va pas recommencer un nouveau truc. Ça fait 40 minutes déjà. Il a l'air d'être dans le château, ça va être compliqué. Ouais, 40 minutes de vidéo, ça va être assez bien, je pense. On n'a pas fait énormément de choses dans cet épisode, mais bon. On découvre le jeu tranquillement, je viens de dire. Tant mieux.
suis en train de faire carrément le tour du château. Là, je l'ai dans ce secteur, mais je suis même pas dedans. Ah voilà, on peut rentrer par là. J'aurais dû rentrer directement. Je suis un peu noob. Tac. Il y avait un bouclier, je rêve pas, non? Il a disparu le truc. Ah non, mais je suis carrément à l'opposé en fait. C'est quoi ça en fait? Bouclier. Artefact. Ah d'accord, c'est artefact. Ça c'est quoi? Sainte-Chapelle affichée, entrée base de données, d'accord. On va essayer de récupérer l'artefact du coup. Voir un peu ce que c'est vu qu'on en a que un. Voir dans les... Ok, d'accord. Alors, artefact, où es-tu? Ok, va se faire sûrement monter par là-bas. Ça demande de mieux réflexion. Ouais, on a l'air... Voilà, ça a l'air d'être ici, je dirais. Allez, j'espère qu'on y est. Oui, ça a l'air d'être ça. J'arrive pas, ça a clignoté. Attends, on y était tout à l'heure, quoi. Je rêve. On est revenu où on était tout à l'heure pour les têtes. Oh non, sérieux. Je suis un noob. Et l'artefact n'est pas là. Problème. Non, mais sérieusement, il devrait être là. Ou il est peut-être un peu plus haut. Je sais pas. Il est peut-être sur le toit, hein. Non, mais je crois que j'étais allé sur le toit pour descendre, mais... Non, voilà, il a disparu, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok, il a disparu. Il est entre le deuxième et le troisième étage, je dirais. Mais je suis sûr, pourtant, il doit être... Je suis sûr qu'il doit être ici. C'est obligé. Ou il est peut-être un étage plus bas, je sais pas. On est pile poil au-dessus, et si on va à l'étage en dessous. Ah non, là il vient de se désynchroniser. En fait, il doit être. Ouais, il doit être plus haut. Ah non, c'est ça. C'est quoi ça? Oh là là, je dois vraiment passer pour un noob. Et genre, ils sont accrochés au mur maintenant. Si... Penser, j'ai pas du tout pensé que c'est soit ça. Ouais, honnêtement, c'est vraiment... Je suis pas du tout habitué. Je dois passer pour un con, mais bon, c'est le début. Hein. Enfin, je pense qu'on a tous un début sur un jeu. Et... Là, faut avouer que là, il y a des trucs qui me surprennent. Qui me surprennent, plutôt. Enfin, bon, voilà. Du coup, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, quand même. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde.